Le diagnostic paraclinique, on l'a dit, c'est le scanner. Le scanner. Lorsque vous avez une tache noire, lorsque c'est noir, ischémie. D'accord? Ischémie, tache noire, AVC ischémie. Lorsque c'est une tache blanche dans le cerveau, le malade a saigné, AVC hémorragique. Quelles sont ces différentes étiologies? Lorsque vous êtes en face d'un AVC ischémie, c'est une ischémie, vous êtes aux urgences, vous faites un scanner, on vous reprend AVC ischémie, qu'est-ce que je fais? Voilà le bilan selon la classification TOST à demander devant le patient à suivre. Qu'est-ce qui n'est pas AVC? Est-ce que tout déficit neurologique est AVC? Non. Il peut s'agir d'une crise épileptique, d'une paralysie de Todd. C'est quoi la paralysie de Todd? C'est une personne qui fait une convulsion. Il tombe et au réveil, il a une sensation de paralysie, d'une lourdeur. Ce n'est pas un AVC. Ça peut être une migraine. Les dames connaissent très bien la migraine avec aura. Ça peut être. L'endocrinologue est là, il est hypoglycémie, il perd connaissance, il tombe, on amène aux urgences, on pense à un AVC, alors c'est un trouble métabolique. Voilà pourquoi il faut bien interroger le patient. Interroger. Voilà la vascularisation, je passe, voilà. Il faut savoir que le cerveau n'a pas de réserve en oxygène, ni en glucose. Il dépend en permanence du débit sanguin global. Et le débit sanguin moyen, il est autour de 60 à 150 millilitres. Et dès qu'il y a une chute du débit sanguin, une souffrance, déjà c'est le cas. Alors, l'ischémie est la conséquence d'une chute de cette perfusion entre 20 et 18 millilitres pour 100 grammes par minute. Les neurones souffrent. Mais c'est réversible, mais en dessous de 12 millilitres, il y a une infarctie. Un ramollissement cérébral. Alors, les définitions, je passe. Le diagnostic est d'abord clinique. Il faut une imagerie en urgence. Et en première intention, c'est le scanner, mais il faut savoir que seul l'IRM, notamment l'IRM de diffusion, donne les premiers éléments. Le diagnostic d'un AVC, notamment la diffusion. La prévention s'articule autour de trois niveaux. Il existe la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La base de la prévention, c'est le facteur de risque. Un facteur de risque est un facteur qui favorise l'apparition d'une maladie ou d'un accident. Le facteur de risque cardiovasculaire, quant à lui, c'est un risque de survenir d'événements coronariens, notamment des infarctus du myocarde, un risque de survenir d'AVC, mais aussi des pathologies vasculaires périphériques, telles que l'artériopathie obliterante ou inférieure. Les facteurs de risque, il existe deux types de facteurs de risque, cardiovasculaires ou neurovasculaires. Il existe des facteurs de risque cardiovasculaires non modifiables, et les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, il s'agit de l'âge inférieur à 50 ans chez l'homme et 55 ans chez la femme. Le sexe masculin, mais aussi l'hérédité, notamment les antécédents d'AVC chez les parents ou chez les descendants ou les collatéraux. Alors, en ce qui concerne les facteurs les risques modifiables, c'est ce qui va attirer notre attention parce que nous allons nous appuyer sur ces facteurs pour articuler notre prévention. Il existe en tête l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, la sédentarité, le tabagisme, l'alcool, mais aussi le stress. L'AVC périnatal, il s'agit d'un AVC qui survient à partir du troisième trimestre de la grossesse, pendant la naissance et jusqu'à un mois de vie. Et l'AVC de la petite enfance, il survient entre 0 à 6 ans. L'AVC du grand enfant, à partir de 8 ans jusqu'à 18 ans.
quel est l'intérêt? Il n'y a pas assez d'études chez l'enfant en Afrique et la fréquence est 10 fois moins fréquente que chez l'adulte. Et il y a un polymorphisme clinique chez l'enfant et les facteurs de risque sont le plus souvent modifiables et constitutionnels. Nous voyons que l'incidence au niveau mondial varie entre 1,1 à 13 pour 100 000 cas par an. Et il s'agit des 10 premières causes de décès en pédiatrie. Et la mortalité, d'après Higgins, une étude menée par Higgins, est de 10 à 23 ans. Et au Congo, une étude menée par le professeur Souga Basuzi avait noté 7 cas d'AVC, dans 16 ischémies, un cas d'hémorragie, donc 2 décès à la phase aiguë. Et au Sénégal, on a noté 240 cas d'AVC, donc 201 ischémies et 39 d'AVC d'hémorragie. Bon, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'au Sénégal, il y a un seul service neurologique qui existe depuis le début des années 2000 et puis il y a donc quand il y a des patients, les pédiatres, on voit vers les neuromédiatres. L'AVC peut affecter l'aspect physique, psychologique et environnemental de la victime. Il entraîne souvent un fort retentissement psychologique chez la victime au sein de sa famille, dans 80% des cas, et ceci aboutit souvent à une nouvelle organisation de la famille dans 70% des cas. Je voudrais quand même savoir quelle est la place de la thrombolyse actuellement au niveau de quoi. Est-ce que c'est vrai, on dit qu'il faut la thrombolyse et tout, mais est-ce que sur le plan pratique, par pointe noire, quelle est la place donc, de la thrombolyse? Concernant la prévention donc, de l'AVC chez le pédiatre, le docteur Okolo Sango a fait une présentation assez globale de ces techniques de présentation que j'aimerais un peu dissocier. Il existe une prévention donc, primaire et une prévention secondaire également chez le sujet de pédiatre. Pour la prévention primaire, c'est donc l'échodoppler transcranien que nous a présenté, qui permettra donc, on dit de diagnostiquer l'AVC avant que l'AVC puisse intervenir avec le calcul de ses vitesses. Il faut signaler que l'accident vasculaire cérébral, c'est une des premières pathologies de consultation dans les services d'urgence. Et l'accident vasculaire cérébral constitue aujourd'hui dans notre pays, mais pas que dans notre pays, dans le monde entier, mais dans notre pays également, un problème de santé publique. Dès lors que cela constitue un problème de santé publique, il est important que les pouvoirs publics, que les acteurs que nous sommes, puissions intervenir de façon à inverser, à stopper la tendance. La prévention ne s'arrête pas que dans les hôpitaux. Elle ne s'arrête pas que dans les médias, mais il faut aller vers la population. On l'a dit, former les médecins de communauté qui, eux, vont relier au niveau de la population pour pouvoir dépister tôt. Plus on dépiste tôt ces facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle qui est le chef de file, plus on le dépiste tôt, plus on le prend en charge, nous allons réduire drastiquement le nombre de survenus de ces accidents. L'appel aux populations, c'est comme tout le monde le dit au sujet de l'accident vasculaire cérébral, hein, c'est que les populations doivent maintenir une activité physique régulière, doivent contrôler leur alimentation et surtout avoir un suivi. Au-delà de 50 ans, surveiller la tension artérielle et tout le reste. C'est très important. Parce que si cela n'est pas fait, le risque d'AVC est majoré. Surtout, d'aller à l'hôpital au moins de signes d'AVC. Les signes d'AVC ont été décrits. Hein. Quelqu'un qui tombe brutalement sans raison, quelqu'un qui brusquement n'arrive plus à parler, quelqu'un qui se plaint de maux de tête intenses avec des vertiges, tout cela, ce sont des symptômes qui doivent amener à l'hôpital. Ne pas prendre un paracétamol et puis dire on verra demain. Souvent, c'est des personnes qui trouvent la mort en chemin.